t'en prie, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Dites, si monsieur savait un homme, je peux mettre ses bas en baiser. Ah, mais qu'est-ce qui vous prend, Louisa? Vous êtes devenue complètement folle. Ah non, monsieur, c'est vous. Bah, Louisa. Ah, ben quoi? Bah, il m'a dit que c'était à vous, c'est pas vrai? Oui, enfin, je l'ai mis hier soir pour sortir, mais bon... Non, mais attends, je leur pose des questions, moi. Ah, mais pas de problème. Article 22, monsieur fait comme elle veut. Non, mais bon... Encore heureux. Bon, écoutez, ma tête, vous en pensez ce que vous voulez, mais surtout, surtout, vous n'en parlez à personne. Ah, mais ça, monsieur me connaît. Ben, justement, avec votre manie de colporter tous les ragots... Ah, pardon, monsieur, je ne colporte pas. Je transmets. C'est important de savoir ce qui se passe, n'est-ce pas, madame? Oui, enfin. Ah, mais si, vous me demandez toujours de vous raconter. Oui, enfin, c'est juste pour vous faire plaisir, Louisa. Ah, mais ça alors? Alors, vous, vous êtes gonflé de chez Michelin. Chut. Mais j'ai rien dit. Chut. Allô, oui, bonjour, monsieur le président, j'attendais votre appel. Ah, c'est toi? Oui. Oui? Sûr. Dans la journée. Au journal de 13h ou de 20h. Ah, oh, c'est génial. C'est génial. Ah, la vache. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'était Jérôme. Il quitte à l'instant le troisième assistant du deuxième secrétaire du premier collaborateur du président. Et je vous le donne en mille. D'après lui, je suis en tête de liste pour le poste de Premier ministre. Yeah!